Alors, bonjour à tous. On va voir ici sur une Toyota Verso comment remettre à zéro le témoin d'entretien manuellement. Alors, il suffit de couper le contact. Donc, on appuie sur le bouton. Le contact est coupé. Hein. Ensuite, il faut rester appuyé sur l'odomètre qui se trouve ici à gauche. Donc, on maintient le bouton. Okay, et on met le contact. On met le contact en position contact, voilà, et on attend simplement que eh bien, les petits tirets s'arrêtent. Voilà, on a vu les trois zéros s'afficher. Je ne sais pas si vous avez vu, tous les petits zéros se sont affichés. Je relâche le bouton, je coupe le contact, je remets le contact, s'il veut bien. Voilà, je remets le contact. Oh, il s'allume. Et voilà, il a disparu. Donc, c'est la méthode un petit peu manuelle. Donc, comme je dis, donc je répète un petit peu l'opération. C'est simple, hein. Il suffit donc de couper le contact, rester appuyé sur le modèle, sur le bouton, c'est marqué ODODIM. Donc, on reste appuyé dessus. Donc, on reste appuyé et en même temps, on met le contact. Une fois que le contact est mis, eh bien, comme vous avez pu remarquer, vous attendez 5 secondes. Et ici où c'est indiqué au dos, vous allez voir des petits tirets ainsi que des petits ronds. Une fois que les petits ronds sont partis, eh bien, vous allez voir, comme vous venez de le voir ici à l'instant, le témoin, oil change disparaît. Voilà, donc sur une Toyota Verso, Corolla Verso et d'autres modèles. Vous pouvez toujours me le dire en commentaire, si vous avez réussi à faire ce recette d'entretien avec la même procédure. Et merci en tout cas et merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt.